ご覧の通りこの大きい交差点なんですけども、実はですね信号がないので僕はどうしたらいいのっていうような感じです。南砺市内では中心地はもうすべてゾーン30、車は30キロというふうに決めて、なるべく人と車がですねこう共用できるような新しいその道路配分、都市交通のあり方を実践してますね。でやっぱりこれだけ交差点人と電車とバスがいるとですね、思わず交差点入ると止まってしまうんですね。でもよく見ると信号がないんですね。まあ30キロ以下で走って注意して走りましょうっていうようなことだと思います。とにかく都市部の渋滞をなくしてスムースに人や車や自転車あるいはバス、まあ、トラム、そういった乗り物、モビリティが効率よくスムースに移動することをですね、とにかく最優先していると思いますね。Alors, la question de la place de la voiture dans les villes est d'actualité effectivement à Nantes. Par contre, le choix de l'agglomération nantaise ne s'est pas porté sur des solutions de type péage urbain ou au contraint la voiture, notamment sur le plan financier. Le principe de l'agglomération, c'est de modifier le partage de l'espace public pour donner plus de place aux transports collectifs, aux deux roues et aux piétons également, parce qu'on cherche à valoriser la marche à pied hein, dans le même temps. Et donc, en fait, on donne un peu moins d'espace à la voiture. On n'interdit pas la voiture, on lui donne moins d'espace. Et on donne plus de place aux autres. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à une forme de palette de solutions assez large, offerte à la population, mais qui est respectueuse à la fois de l'environnement et de la qualité de la vie.